Donc, je m'appelle Céline et... Bonjour Céline. Bonjour Céline. Et je voudrais savoir pourquoi je n'arrive pas à ouvrir mon cœur. Alors, derrière, il y a pourquoi j'ai peur de l'amour, pourquoi l'amour m'a fait souffrir, pourquoi je ne veux plus souffrir, pourquoi, en fait, il y a une confusion entre l'amour et l'attachement de l'ego. Alors, on va faire une respiration. Et on relâche. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que vous êtes venu vivre cette vie pour augmenter l'amour en vous. Alors, c'est vrai que tout le monde n'est pas au courant. Mais c'est un des intérêts d'être humain, hein, évidemment, c'est de s'abandonner à l'amour et de se laisser tomber amoureuse et amoureux. Alors, en fait, il y a deux modes. Il y a soit l'identification à la personne, et la personne n'est pas dans l'amour, la personne ne peut pas être dans l'amour, la personne, le personnage, l'ego, lui, il va tout faire pour que l'amour ne se fasse pas. C'est lui qui est dans le système qui s'appelle « je t'aime, tu m'appartiens », entre guillemets. Alors que le cœur, il est dans le système « je t'aime, je suis libre et je t'aime, je te laisse libre ». Une respiration, et on relâche. Alors on peut dire ensemble, je suis le cœur qui aime. Je suis le cœur qui aime. Je suis le cœur qui est. Je suis le cœur qui est. Et je réalise maintenant. Et je réalise maintenant. Que tous les autres sont moi. Que tous les autres sont moi. Qu'il n'y a pas d'autre. Qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a que moi dans tous les autres. Il n'y a que moi dans tous les autres. Alors, la question derrière c'est, qu'est-ce que l'amour véritablement? Alors, une respiration, et on relâche. Alors, ma définition de l'amour, c'est la reconnaissance que l'autre est soi. Donc, si vous vous abandonnez au processus amoureux, au processus de tomber amoureux, hein, si par exemple l'univers crée dans votre réalité quelqu'un et vous tombez amoureux de lui ou de elle, eh bien, dans ce processus de s'abandonner à l'autre, eh bien, vous allez dissoudre en fait votre ego et vous allez vous désidentifier de l'ego. Et sur ce chemin magnifique, vous allez, dans une fusion totale, disparaître. Alors évidemment, l'ego, il va tout faire pour que ça ne se fasse pas. Parce que l'ego, il a peur en fait, parce qu'il croit qu'il n'y a plus rien après. Alors qu'en fait, après, il y a la réalisation du soi, il y a l'éveil, il y a la vraie vie en fait. Alors, une respiration. Et on relâche. Des affirmations, dites avec moi. À cette partie de moi qui est blessée. À cette partie de moi qui est blessée. À cette partie de moi qui souffre. À cette partie de moi qui souffre. À cette partie de moi qui est amour. À cette partie de moi qui est amour. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. J'ai le droit d'aimer. J'ai le droit d'aimer. J'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit d'être aimé. Inspiration. Et on relâche. Je m'autorise à être amoureuse. Je m'autorise à être amoureuse. Je m'autorise à avoir des amoureux. Je m'autorise à avoir des amoureux. J'élimine la croyance que je ne suis pas belle. J'élimine la croyance que je ne suis pas belle. Je suis belle. Je suis belle. Donc pour les garçons, vous modifiez. Hein. Une respiration. J'ai le droit à l'amour. J'ai le droit à l'amour. J'élimine la croyance que tous les hommes sont pareils. J'élimine la croyance que tous les hommes sont pareils. Je crée dans ma réalité. Je crée dans ma réalité. Quelqu'un qui m'aime vraiment. Quelqu'un qui m'aime vraiment. Alors, comment tu te sens là dans ton corps? Je me sens plus détendue. Un peu plus détendue, mais c'est... Il y a trop d'attente, mais c'est pas le perturbant. En fait, alors la question c'est... qui a une attente en fait? D'après toi, qui a une attente?
me suis oublié, oui. C'est la croyance qu'en fait, dans l'amour, tu vas te perdre. Et du coup, l'ego, il n'est pas d'accord et il va tout faire pour pas que ça se fasse, en fait. C'est-à-dire que l'ego, le personnage, il croit qu'il ne peut plus exister avec cette fusion avec l'autre. Or, en fait, après la fusion, bah, un nouveau personnage différent se recrée. Ou pas. Tu vois ? La question, c'est qui disparaît dans l'amour ? C'est l'ego, le personnage, ce n'est pas l'être. L'être apparaît dans l'amour, en fait. Une respiration. Alors, on va ensemble tapoter sur le cœur. Dites avec moi. J'active mon cœur. J'active mon cœur. Est-ce que ça fait mal là? Non, il faut que tu tapotes beaucoup plus fort. Tu jettes la main comme ça. Est-ce que ça fait mal? Non, c'est bien. Pas mal. Voilà, une respiration. On va faire un om sur le cœur. Il y a la croyance derrière que si tu t'autorises à aimer, tu vas te perdre en fait et tu ne pourras plus être toi-même. Donc ça, c'est la croyance du personnage. La réalité, c'est que vous pouvez être vous-même avec l'autre. Si vous ne pouvez pas être vous-même avec l'autre, c'est que ce n'est pas de l'amour. C'est que vous jouez un rôle, où vous vous identifiez à une personne qui va faire quelque chose pour être aimé. Or, il n'y a rien à faire pour être aimé. Parce qu'en fait, c'est pas vous qui choisissez d'être amoureuse, hein. C'est la vie, c'est votre être qui hop, tombe amoureux de quelqu'un et votre être ne va pas tomber amoureux de votre scoring bancaire avec les 56 critères de tel homme, voilà, de telle taille. Voilà, continue à tousser, c'est pas grave. Laisse-toi aller, c'est totalement autorisé de tousser le plus possible. Une respiration. Ce qui est important de comprendre, c'est comment ça fonctionne. Pourquoi vous pouvez tomber amoureux? Parce qu'en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vivre l'amour », hein. Et il y a aussi le tome 2 de « Qui êtes-vous » qui parle de ça. C'est ma spécialité, l'amour et tomber amoureux. Alors, ce qui se passe, c'est que du point de vue de la conscience et de l'être, comment se passe l'évolution de l'humanité? Tout simplement parce que deux êtres tombent amoureux et... vont se rapprocher, fusionner, faire des bébés, et toute l'espèce humaine va se reproduire comme ça. Alors, quel est l'intérêt en fait pour la vie, hein, la vie, la conscience? Tout simplement, c'est la continuité de l'espèce humaine et créer quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, c'est tous les bébés qui naissent tous les jours. Alors, on va faire une respiration. Donc, vous êtes humain, mais au niveau de l'être, se dit, tiens, j'ai envie de me transformer, et pour me transformer, eh bien, je vais tomber amoureux de telle ou telle personne. Alors, l'humain qui est en bas, il ne choisit pas, et il va subir, en fait. Donc l'ego, le personnage, va subir, alors que l'être sera tout à fait heureuse voilà, de vivre l'amour. Donc il y a un conflit ensuite entre l'ego, le personnage qui ne veut pas s'abandonner au cœur, et l'être qui a absolument besoin de l'amour. Alors, quel est l'intérêt de la fusion? En fait, l'intérêt de la fusion, c'est que vous allez mélanger et fusionner vos systèmes. C'est-à-dire toutes les capacités de votre amoureux ou de votre amoureuse, eh bien vous allez quelque part les acquérir si vous vous laissez tomber amoureux, amoureuse. Donc à chaque fois que vous vous laissez tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un, d'une certaine façon, vous devenez l'autre. Et c'est comme ça que l'espèce évolue. Voilà. Alors, une respiration. Et on relâche.
Voilà, ça c'est le côté technique, hein. C'est sûr que c'est pas très glamour ni romantique, mais c'est pour expliquer pourquoi vous tombez amoureux, amoureuse, et comment ça va se passer. Et donc, tout ça pour vous dire que vous ne choisissez pas. Voilà, donc, ça sert à rien que l'ego, le personnage, il dise « je veux un homme comme ci, comme ça », parce qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Vous rencontrez quelqu'un à la boulangerie, et vous êtes immédiatement amoureuse, amoureux, et soit vous vous abandonnez, voilà, soit vous ne vous abandonnez pas. C'est pas forcément la boulangerie, hein, ça peut être partout. Voilà. Ça peut même être ici, dans ce stage et dans ces sessions. Alors, une respiration. Et on relâche. Alors, on va dire, j'élimine la croyance que l'amour est rationnel. J'élimine la croyance que l'amour est rationnel. Je fais confiance à mon être. Je fais confiance à mon être. Je m'abandonne à mon être. Je m'abandonne à mon être. Mon être sait ce qui est bien pour moi. Mon être sait ce qui est bien pour moi. Une respiration. Et on relâche. Alors derrière ta question, il y a qui souffre. Et en fait, c'est l'ego, le personnage qui souffre. L'être, le vrai toi, il ne va pas souffrir. Et c'est vrai que quand les relations amoureuses s'arrêtent ou ne fonctionnent pas, il y a l'ego, le personnage, qui est obligé en fait de faire le deuil et de se séparer en fait. Et c'est là qu'il y a une souffrance. Mais c'est parfait. C'est-à-dire que c'est le fait de transcender cette souffrance qui va amener vers l'être. C'est-à-dire que ça fait partie du processus de souffrir entre guillemets au début, mais à un moment vous ne souffrirez plus. À un moment vous pourrez être amoureuse, amoureux, sans souffrir. Une respiration. 40. En fait, il n'y a pas de souffrance dans le véritable amour. Même si l'autre s'en va, il n'y aura pas de souffrance. Il n'y aura pas de souffrance parce qu'en fait, le fait que l'autre existe est suffisant en fait pour nourrir l'amour. Et à un moment, vous comprendrez que l'autre, en fait, n'est pas l'autre, que l'autre est vous. Et ce que vous aimez chez l'autre, en fait, c'est des reflets de vous. Alors, une respiration. Et on relâche. Comment tu te sens dans ton corps ? En joie. En joie. Voilà. Oui, rassuré en fait, hein, je ressens. La lettre est rassurée. Voilà. Parce que c'est vrai que, alors, important, c'est de parler du discernement. Il ne s'agit pas de s'abandonner à l'autre parce que vous êtes amoureuse ou amoureux. Parce que j'ai testé, hein. Ça marche pas. En fait, en général, on se fait avoir, voire manipuler, abuser. Parce que l'autre, il n'est pas toujours désidentifié de l'ego. C'est-à-dire qu'après, il y a le discernement quand même. Hein. Sur cette magnifique musique de Ennio Morricone, c'est beau. Alors, une respiration. Alors, qu'est-ce que c'est le discernement ? Le discernement, c'est cette compréhension que vous êtes trois choses. Vous êtes un cœur, avec de l'amour en vous, donc ça c'est le chakra du cœur. Vous êtes aussi un mental, avec un ego, un personnage, il n'y a aucun problème. Et vous êtes aussi un corps physique. Ok ? Alors, quand vous rencontrez quelqu'un, ce qui est très important, c'est que les trois soient alignés. Il faut que l'autre vous plaise physiquement, que vous ayez envie de faire l'amour avec, donc que votre corps soit content. Il faut que votre cœur soit amoureux, que vous soyez amoureux, amoureuse de l'autre. Et il faut qu'au niveau mental, il ne faut pas oublier le mental non plus, il faut que ça colle, que vous ne vous ennuyez pas avec l'autre au niveau du mental et que vous ayez des points communs, que vous ayez envie de faire des choses. Si ces trois choses ne sont pas alignées, ça ne va pas durer très longtemps. Enfin, ça peut quand même peut-être durer 10 ou 20 ans, hein. Mais si vous vraiment... Ça, voilà, à un moment ça s'arrête parce que soit il n'y a plus le corps physique, soit il n'y a plus l'amour, soit il n'y a plus le mental, voilà. Si vous êtes identifié à l'ego et si c'est le personnage qui choisit l'autre pour des raisons d'argent, de pouvoir, de facilité, de autre chose que de l'amour, parce que le problème de l'ego du personnage, c'est que lui, souvent il n'écoute ni le corps physique, ni le cœur, hein. C'est le problème des gens identifiés à l'ego. Voilà, c'est plein de gens sont que dans le mental et ils croient qu'il n'y a que le mental. Ils oublient le corps physique et ils oublient le cœur. Maintenant, ça ne marche pas. C'est pas de l'amour en fait, hein. C'est de l'attachement. C'est, comme dirait Darpan, qui est un Suisse éveillé qui fait des stages et des conférences aussi.
c'est du commerce de besoin. Donc ce n'est pas de l'amour, il y a vraiment du discernement à avoir entre le commerce de besoin, qui est aussi dans le je t'aime, tu m'appartiens, et l'amour. L'amour, c'est le cœur, c'est pas vous qui choisissez, vous êtes amoureux, amoureux. Donc, je vous dis ça par rapport au discernement, donc abandonnez-vous au cœur et à l'amour de l'autre, mais ne vous abandonnez pas à l'ego de l'autre, parce que ça, c'est pas malin. Hein, parce que si l'autre est identifié à l'ego, il va en profiter. Alors, une respiration, et on relâche. Voilà, donc là, avec ces compréhensions, vous pouvez vous autoriser à aimer tout en ayant le discernement, tout en vérifiant, alors, qu'est-ce qui me plaît chez l'autre? Voilà, est-ce que je me sens bien avec l'autre? Alors, l'idée, c'est d'y aller doucement, donc passez du temps avec quelqu'un qui vous plaît, puis voyez ce qui se passe. Les choses se font ou ne se font pas. Mais surtout, ne soyez pas avec de l'attente, parce que c'est l'ego, le personnage, qui va avoir une attente. De ne pas être seul, de rencontrer quelqu'un, l'homme de sa vie, etc. Alors, il n'y a pas d'homme de votre vie, hein, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités et ça change tout le temps. Voilà. Et quand, j'ai oublié de vous dire, quand la fusion est faite, si l'autre n'évolue pas, ça crée un écart entre vous, votre niveau de conscience, votre réalité, vos perceptions et l'autre, et en général, ça s'arrête et vous changez de conjoint. Voilà. Donc, choisissez aussi des conjoints qui font un travail sur eux et qui sont capables d'évoluer. Si vous prenez un conjoint qui n'évolue pas, qui ne fait aucun travail et qui ne veut pas évoluer, à un moment, ça risque de s'arrêter. Parce que vous allez continuer à évoluer et l'autre n'évoluera pas. Donc l'idéal, ça serait de prendre quelqu'un qui va évoluer aussi. Comme ça, vous évoluerez ensemble. Alors, une respiration. Et on relâche. Alors, pour le groupe, il y a aussi autre chose à comprendre, c'est que le conjoint, l'amoureux, l'amoureuse, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas juste pour le romantisme, les plaisirs, les câlins, etc. Non, l'autre, il est là pour appuyer sur vos boutons. Alors, qu'est-ce que c'est les boutons? C'est un peu là ce que je fais là, moi. C'est-à-dire lire l'inconscient et voir ce qui vous plaît pas. Alors, pourquoi l'autre est là pour appuyer sur vos boutons? Parce que... tout simplement, quand vous êtes amoureux, amoureuse, au début c'est magnifique, c'est l'amour, c'est la passion, tout est parfait. Vous vous connaissez depuis des millions d'années, c'est vrai, hein, c'est les âmes sœurs, les âmes jumelles, etc. Sauf que, avec la fusion, vous allez fusionner, puisque vous vous aimez tellement que vous fusionnez l'un et l'autre. Mais une fois que vous avez fusionné, vous avez aussi fusionné vos systèmes psychiques. Et c'est là que les problèmes apparaissent. Les égos réapparaissent. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous avez fusionné avec l'autre, l'autre fait miroir. Et pareil avec les enfants. Comme les enfants copient les systèmes de papa-maman, à l'adolescence, les parents se retrouvent avec eux-mêmes dans l'adolescence. Vous imaginez le blins. Et qu'est-ce qu'ils font les adolescents? Ils font comme papa-maman. Et donc ça oblige papa-maman à voir qui ils sont vraiment et à faire leur travail d'évolution de conscience. Alors c'est pareil avec les conjoints. Donc, vous allez fusionner et donc vous allez aussi échanger des traits de caractère finalement et puis des façons d'être, de faire. Et donc du coup, l'autre va être là pour appuyer sur vos boutons. Alors, ma recommandation, c'est créer des espaces de parole dans le couple où vous pouvez parler des choses qui fâchent, entre guillemets, mais ne pas le faire tout le temps. Voilà, ne pas le faire tout le temps à tout moment, mais le faire seulement dans un espace prévu à cet effet. Voilà, un peu comme bah là moi je fais dans le pourquoi je fais pas du pourquoi je tout le monde, enfin avec tout le monde tout le temps dans la rue, dans ma vie privée, parce qu'en fait il faut un espace spécial pour ça. Parce que c'est un espace où on est sensible, il faut ouvrir le cœur, être prêt, le faire dans un certain ordre, sans violence justement, pour pouvoir voir en perspective quels sont les traumas, les souffrances, etc. Alors, une inspiration. Et on relâche. Voilà, donc la communication non violente aussi dans le couple, c'est bien. Et ça permet justement d'y aller sereinement. Ouais, il semblerait que dans le groupe, il y ait beaucoup de questions sur l'amour et que ça aide vraiment beaucoup de monde. Hein. Merci. Est-ce qu'il y a une autre chose qui vient par rapport à ta question sur l'amour? Sans lien avec l'incarnation, mais c'est un autre sujet. Ok. C'est comment ton prénom? Céline. Céline. Oui, je ne retiens pas les prénoms quand je fais de la canalisation. Alors, je t'aime, Céline. Merci, Céline.
gratitude. Merci, merci pour ces belles questions. Voilà, comme ça, tout le monde va pouvoir ouvrir le chakra du cœur et aller plus sereinement dans l'amour. Voilà, avec le discernement. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous abandonner à l'autre, à son cœur. Par contre, dire oui au cœur et à l'amour de l'autre, mais dire non à l'ego de l'autre, voilà, quand c'est nécessaire. L'amour, c'est pas dire oui à tout. Hein. L'amour, c'est dire oui à soi d'abord. Car si vous n'êtes pas capable de dire oui à vous, ça va être difficile après. Hein. C'est important de savoir dire non. Alors, on va dire, puisqu'on arrive là-dessus, une respiration. On va dire, je m'autorise à dire non. Je m'autorise à dire non. Je dis non et je suis quand même aimé. Je dis non et je suis quand même aimé. Je suis aimé pour mes non. Je suis aimé pour mes non. Et je suis aimé pour mes oui. Et je suis aimé pour mes oui. Je suis aimé pour ce que je suis. Je suis aimé pour ce que je suis. Voilà, c'est très important. Alors justement, plus vous allez être authentique, plus vous allez être vous-même, plus vous allez être insupportable pour les égos. Et plus, les gens qui vont rester avec vous, c'est ceux qui vous aiment vraiment. Et vous ne serez pas dans le jeu de « j'essaye de plaire » ou « j'essaye de plaire à l'autre ». Non, non, vous serez vous. Et donc vous serez dans le réel, la vérité, l'authenticité. Et donc vous serez dans le véritable amour qui dure. Parce que si vous faites, vous êtes identifié à une personne pour plaire à l'autre, à un moment ça va s'arrêter et tout s'arrêtera. Or, si vous êtes vous, vous aurez peut-être moins de monde, mais vous aurez du vrai. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est important de comprendre ça, parce que l'amour, pour beaucoup de gens, c'est « je m'identifie à une personne et je fais plaisir à l'autre ». C'est pas ça. C'est « je suis moi à chaque instant, qui même me suive ». Alors, une respiration. Et on relâche. Vous pouvez dire avec moi « qui même me suive ». Qui même me suive. Qui ne m'aime pas s'en aille. Qui ne m'aime pas s'en aille. Je crée dans ma vie. Je crée dans ma vie. De l'espace. De l'espace. Pour l'authenticité. Pour l'authenticité. Pour l'amour. Pour l'amour. Pour le réel. Le réel. Pour la vérité. La vérité. Pour l'être en moi. Pour l'être en moi. Voilà, une inspiration. Et on relâche. Voilà, merci. Merci beaucoup. Gratitude. Merci.